Et on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Maman.
chacune une lettre. Donc cette lettre, elle est en gris. Donc pour qu'elle soit plus jolie, vous avez l'entourée et la colorier. Mais de toute façon, vous avez tout votre temps parce que Lucie va ramasser ses lettres dans un moment. Vous prenez votre temps. Vous pouvez commencer. Mais vous pouvez aussi regarder le superbe numéro de tir que je vais vous présenter. Vous voyez tous une bougie sur son bougeoir. Je vais m'éloigner de 6 pas. Je vais me retourner, prendre mon pistolet, viser la bougie. Vous allez compter à l'envers avec moi. 3, 2, 1, boum! Et quand vous direz boum, je couperai la bougie en deux. Vous avez tous compris? Oui. Nous y allons. 3, 4, 5, 6. Je sors mon lettre. Nous comptons ensemble. 3, 2, 1, boum! Il me semblait bien que j'entendais un drôle de bruit. Vous allez bien? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis là pour deux raisons. La première, m'embêter. Non, la première et la deuxième. La première, c'est que j'ai faim. Et que j'ai besoin d'une petite réponse à cette question, où se trouvent les cuisines? Parce que j'ai été faire des courses et je voudrais me préparer un petit dîner. Il y a 5 km pour la cuisine. Hein? Mais, je veux réfléchir. Mais de toute façon, j'ai une deuxième raison pour laquelle je suis là. Je suis là parce que Jordi m'a dit, il faut que tu présentes ton numéro de jongleur. Ben oui, tu veux voir? Regarde, tiens. Vous voulez voir? Ouais. Regarde. Voilà. Un petit matin. Voilà. Toi, tu prends ça. Mais ça va pas. Je t'ai dit, tu le prends. Voilà, je pose le bâton là. Et après, je prends une planchette et... Quoi? Eh ben, tu me fais mal. Mais t'as qu'à le tenir, je te demande de prendre le truc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Voilà, prends-le. Là, voilà. Tu le prends délicatement. Voilà, tu le tiens bien. Je le pose délicatement, comme ça. Et après, je vais mettre une boîte de... On ne touche pas, tu laisses la boîte là. Il y a un autre jongleur. Et après, je vais mettre ça ici. Et après, je vais le lâcher, le tenir. Et alors, toi, qu'est-ce que tu viens nous embêter aussi? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là là? Maintenant, tu prends tout ton matériel, on peut tout voir. Tu nous déranges. Le jongleur qui nous embête. Oh là là là. Je reviens, d'accord? Oui. Je reviens. Bon, où en étions-nous? Donc, la bougie. Je m'éloigne de 6 pas. De 6 pas. Plus exactement. Soyons précis. 2, 3, bien, il y a 5 et 6. Je sors mon revolver. 3, 2, 1, et boum! Ça tient. Je vais me mettre là. Alors, ils n'ont pas élevé le plafond très haut là. Alors, je vais être obligé de me mettre à genoux parce que je mets là, sur la pointe, là ici. Je mets sur la pointe. Et après, là, voilà. Voilà.
Tu me laisses faire mon tour. Mon tour? Oui. Tu vas faire un tour? Eh ben, elle va faire un tour. Je commence. On va y arriver. On va y arriver. Bon. J'entends plus rien. On va tenter. Donc, je commence. Un, deux, trois. 4, 5, 6. Manon, tu es la plus belle. Mais tu es aussi la plus gentille. Je voudrais voir ton tour. Tu m'as dit que tu faisais un tour. Moi, je fais pas de tour. Non. Ah, bon, un tour du village, tu veux dire. Le tour, je voudrais bien faire un petit tour avec toi. Tu vas regarder le tour, tu vas m'aider. Allez, hop. Je vais rester là. Tu vas participer. Waouh! Je vais rester là. Alors je vais où? Là. Je vais là. Bon. L'échapper. Comme je veux plus que tu bouges, il va tenir la bougie. J'ai pas ma bouche. C'est quoi ce truc là? Ah bon, faut pas piquer. Et tiens, je tiens la bougie. Et je... Nous, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Alors, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais c'est pas possible, je t'ai dit de pas bouger. Alors, il faut aller où? C'est ici. Ici, je ne bouge plus. La bougie, elle est l'ordinateur.
Il a mangé la bougie. Il a mangé la bougie. On a compris. Il a plus de bougie. Et il n'y a plus de Manon. Il n'y a plus de Serge non plus. Marie. Vous avez l'air bien. Hein. On va faire un test. C'est tout mou, hein. C'est dangereux. Vas-y, regarde. Je l'ai regardé trop vite. On va tester les jambes maintenant. On va voir. Tu vas touiller. Je suis bourru. Moi, j'ai rien dit. Si, t'as dit qu'il était mort. Non. Quelqu'un a dit qu'il était complètement mouru. Je suis complètement mouru. On va aller chercher le civière. Je suis un petit peu mouru seulement. On va leur faire une farce, hein, d'accord? On leur dit rien, hein, vous dites rien. Hein. Non. Je suis seulement un tout petit peu mouru. Alors, ils vont chercher l'ambulance là. Il y a l'ambulance qui arrive. L'ambulance. Comme dans un rêve. Ben ouais. Ça me fait penser à quelque
que je suis un drôle de rêve il y a quelques jours. Ah ouais? C'était quoi? J'ai rêvé d'une drôle de voiture. Qu'est-ce qu'elle avait de drôle? Bah, elle avait 3 places. Ouais? Et tu peux nous raconter l'histoire? Ouais, moi je sais pas tellement raconter les histoires. Bon, écoute, j'ai une idée. Tu n'as qu'à raconter, puisque tu peux pas avec les mots, tu n'as qu'à raconter avec les gestes. Et de là où il est, Sergio n'aura qu'à faire les bruits. T'es d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors tu vas chercher les clés. Je vais chercher les clés. Moi, je me débrouille pour ramener la voiture. Voilà. Sans clé. Bon, alors, je trouve des sièges. Bon, ça ira bien. Allez, voilà l'avant de la voiture. Hein. Bon. Bien, bon. Toujours. Oh, non, voilà. Alors, on la met comme ça. Non. Non, mais... non. Ça va pas. Voilà, on va essayer derrière. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Bon. Alors, maintenant, on va pas se réveiller. Bye. On va rentrer dans les songes et l'illusion. Bon, alors est-ce que 3 places ça va aller? Vous pensez que ça ira 3 places? Je pense à moi. Bon, alors il faudrait un volant. Les rouges, je crois que ça va rentrer, ça va être dur. Alors, qu'est-ce qui va manquer d'autre? La sécurité d'abord, hein. Ah oh là 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 là. Bon, attendez, je vais voir si j'ai pas trouvé Mano pour qu'elle m'aide à trouver un bon système de con. Alors Mano, c'est vraiment... Je pense que ça va être Mano qui va nous raconter son rêve. Hein. Voilà. Le rêve de Mano. Oh,
milieu du foulard magique. Et nous allons aussi mettre des ciseaux. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Lucie va me tenir le petit coin. Et nous allons enfermer le tout dans un foulard. Faire très attention, il ne faut pas qu'une seule lettre n'enregistre. Pour les lettres qui ne sont pas terminées, nous allons rajouter un feutre. On va mettre au milieu. Et Lucie maintenant va me faire un tour. Lucie va tenir le foulard. Tiens, tiens, foulard comme ça. Qu'est-ce qui connaît d'autres formules magiques? Abracadabra. César ouvre toi. Mais nous n'allons pas utiliser une formule magique classique. On va utiliser la même que tout à l'heure. Un coup de... Pistolet. Voilà. Donc, on fera comme tout à l'heure. 3, 2, 1. D'ailleurs, que je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'elle va chercher? Le pistolet. Le pistolet. Et tu ne touches pas mes enfants. Vous dites ainsi, touche. Non. Faut appeler Mano. J'ai toujours faim. Il n'est pas à tout le monde. J'espère qu'il n'a pas touché à mes affaires pendant ce temps-là. Hein. Non. Donc nous en étions là. 3, 2, 1. Que tu es en train de prendre mon matériel. Mais oui, je vais peut-être en avoir besoin à un moment ou à un autre. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi? Je suis là pour faire mon tour de magie. T'as dit que t'étais la reine de la magie. Bah bien sûr. Mais personne n'en Et moi, je suis le prince de la prestige. La prestige quoi? La prestidigitation. Je fais disparaître, je fais des tours. Et j'ai gagné une médaille à Tours, justement, au Festival de la Magie. Ah non, elle est par là. Bravo! La semaine d'avant, j'ai gagné aussi quelques trophées. Bravo! Et le mois précédent. Et pendant toute l'année. Je vais vous faire voir un petit exemple de ce que je fais. Voilà. Vous l'aviez vu depuis tout à l'heure? Eh bien, voilà, tiens, tu peux enlever l'échelle, ça me gêne. Demandez aussi gentiment. Et voilà, voilà. Alors. Et elle fait comment, Mano, déjà? Ah oui, vous comptez avec elle? Ouais. 3, 2, 1... Hop, oh, elle a disparu, il n'y a plus de caille, il n'y a plus d'oiseau non plus. T'as vu ça un petit peu? Ouais, j'ai vu que ça rigolait doucement. Mais là, c'est rien, ça, c'est une petite mise en bouche. Maintenant, tu vas m'aider à mettre mon matériel pour faire mon grand numéro. En plus, il faut que je t'aide. Eh bien, oui. Je ne dirais pas de méchanceté par rapport aux dames, mais elles sont gentilles, les dames, elles vont pouvoir m'aider. Tu fais comme moi, tu pousses un peu la chaise. Là, tu l'avances un tout petit peu. Attention, c'est fragile. Hein. Voilà, maintenant tu vas derrière. Ou une andouille en plus. Voilà. Et puis tu avances. Voilà, jusque là. T'as vu la marque là? Voilà. Ça va, ça te convient? Ça me va très bien. Ça, ça,
C'est ton tour, ça? Tu feras ça à ton tour. Et c'est pas encore maintenant. Voilà. Là, vous voyez bien? Ah, bon, bah alors ça va très bien. Et toi, tu vois bien? J'attends de voir. T'attends de voir. Eh bien, si tu veux voir, tu te mets un petit peu à côté, là. Et puis surtout, tu ne me déranges pas. Bah, si tu veux pas que je te dérange, moi je m'en vais. Wouhou, la tranquillité, la tranquillité. Alors, je vais vous présenter mon tour. Tout d'abord, ici, une bouteille. Wow. Oui. Ici, un verre. Wow. Oui. Du bon vin. Du bon vin. Je recouvre le verre. Et je recouvre la bouteille. D'accord? Wow. Vous me voyez là? Ouais. Oui. Et moi aussi je vous vois. Attention, je recouvre la bouteille. Et maintenant, attention, la formule magique. Non, c'est pas ça du tout. C'est Presti. Alors attention, vous la prenez parce que tout à l'heure vous allez refaire avec moi. Mais attention d'abord, j'appelle le fluide. Et attention, on va attraper. Tout d'abord, la bouteille par le haut. Hop, Presti. Et après, la bouteille, on va l'attraper par le bas. Mais attention, le fluide, s'il te plaît, viens me voir. Voilà. Et j'attrape la bouteille. Alors, Presti, Presta, hop. Et voilà, la bouteille est passée par ici. Non. Bien sûr. Regarde, je vais passer le verre maintenant. Regarde bien, j'attrape le verre. Alors, vous vous souvenez de la formule, hein? Presti. Presti. Presta. Hop, et voilà. Et voilà, le verre est passé par ici. Vous avez bien regardé. Alors, vous voulez que je refasse? Alors, on va refaire dans le temps. Regardez bien, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, regardez bien, parce que plus vous regardez, moins vous comprenez. D'accord? Je recouvre la bouteille. Hop. Et alors, après, je recouvre le verre. Attention. Je recouvre. Et j'attrape quoi d'abord? Le verre, il est là. Non, il est où le verre? Eh là, il est pas là. Il est où le verre? Hein? Ah, j'attrape le verre alors. J'attrape le verre. Alors, allons-y, avec moi. Presti. Presta. Et maintenant, la bouteille, j'attrape la bouteille. Presti. Presta. Et voilà, ouais. La bouteille est revenue par ici. Ouais. Et le verre est revenu par ici. On recommence une dernière fois. Une dernière fois. Ouais. Allez. Oh mon Dieu. Derrière. Je recouvre le verre. Et on va faire la fête. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi j'ai soif. T'as soif? Ouais. Et moi j'ai faim. Parce qu'il y a une belle bouteille. Eh oui, il y a une bouteille, mais tu la touches pas. Pardon? La bouteille, je la recouvre, comme Presti, ça. Presta. Là, je fais un tour, et la bouteille, elle va passer de l'autre côté. Mais justement, j'étais en train d'expliquer que si je l'attrape en faisant Presti, Presta, eh bien, ça marche à tous les coups, même si c'est vous qui le faites. On va essayer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais la bouteille. Et je t'ai dit, tu la regardes avec tes yeux, pas avec tes mains. Oui, alors, s'il touche, vous me le dites. Hein, parce que ça va pas, ça. Hein? T'es d'accord, toi? Oui. Hein? Alors, je vais attraper la bouteille. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais attraper la bouteille et je vais la passer là. Et après, je vais attraper le verre. Et le verre, je vais le passer de l'autre côté. Mais, j'ai pas compris. La bouteille, elle va passer là. Il n'a pas touché.
Je vous explique la bouteille qui est là. Pourquoi tu rigoles comme ça? Ah, la bouteille elle est pas là. Bah si, tout le monde l'a vu tout à l'heure, la bouteille elle est là. Alors, vous ne me croyez pas quand je parle là? J'aime bien jouer un peu de musique. Alors, on fait de la musique. Tu vois, je vais aller chercher un instrument. Là. Un petit peu. Voilà. J'ai trouvé ma grosse caisse. Une grosse caisse de guitare. Voilà, ça s'appelle la caisse. Et je vais jouer un peu de musique pour mes amis. Là, tu veux faire quoi, toi? Oui, et tu veux les... Ton tour, là, c'est quoi, ça? C'est les enfants, ils ont fait quoi? Alors, moi, je vais jouer un peu de musique. Parce que c'est moi qui fais la musique. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, on va peut-être arriver à faire quelque chose, tous les deux. Peut-être que si tu prends un tambourin, par exemple, ça peut marquer le rythme pour tout le monde. Allons-y. Hein? Allons-y. Bon. Alors, c'est génial. Toujours dérangé. Ah oui, j'aimerais bien dérangé. Bah, on aimerait bien en plus, hein. Alors, qu'est-ce que
Alors, c'est moi qui vais faire la musique. Vous êtes prêts? Oui, oui. Alors, on compte 3, 2, 1. On a encore la T'arrêtes à fond avec ta casserole là. Garde-moi ça là. Allez, je vais encore foutre là. On dirait une vraie casserole ça. Tu joues d'ailleurs comme une casserole. Et ça me fait penser à manger ça, les casseroles. Ça me donne une idée. Il faut qu'on fasse demi-tour. Viens voir un petit peu avec moi. Il chahute, et pendant ce temps-là, moi j'attends. Et je suis obligée d'attendre. Alors on va attendre ensemble. Qu'est-ce qu'il me raconte une histoire en attendant? Vas-y, Joyce. Parce que alors là, dis donc, avec deux hommes, moi je suis. Je suis pas avancée, Odile, on n'est pas avancée. On est mal. Alors, elle est où sa casserole, Lotin? Ah, quand même. T'arrives un peu avec ta casserole. Et vous êtes allé au Mont-Saint-Michel? Oui. Tout en bas, après la porte, il y a un grand restaurant. Il s'appelle la mère Poulard. Et la mère Poulard, elle fait des omelettes. On fait une petite omelette à la mère Poulard. Allez, hop, on va faire ça. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le feu à la casserole. Allez. Vous êtes prêts? Oh, encore du bruit. Ça y est, c'est cuit. Allez, on sortait les fourchettes. Oui. Allez, on y va. Allez. Oh, allez, je sais pas combien de temps il était là, mais là, il est là. Bon, alors, on fait la musique ou pas? Et
On va encore faire.
On va faire de la magie qui va nous déclencher sirène. Allez, vas-y. Et on tente. Allez, ce soir, vous avez pas de couche touchée. Non, on y va, vous la fumez là. Ouvre la fenêtre au moins. Ouvre la porte. Ouvre la porte là-bas. Attention! Allez! Non! Par là, 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 attention! Attention! Oui, mais je fais attention pas. Là, là, t'as fait près de la porte. Allez, je vais mettre près de la porte. Alors, vas-y maintenant, fais ce que tu fais. Tu fais la magie. Nous allons avoir le mystère des lettres. Le mystère des lettres va se dévoiler. Attention. Je vais reprendre les choses en main si je ne suis pas dérangée. Regardez, Victor. Moi, j'ai chaud. Il peut vrai qu'il est planqué pour pas crever. Excusez-moi, j'ai un petit peu chaud. Et dans cette ambiance mystérieuse, Odile et François vont tenir chacun la ficelle. Ah, attention, faites comme ça là, avec vos mains. La magie va opérer. Attention, moi je mets le fil. Attention, attention. Attention, les enfants, les deux comme ça. Allez, on y va, tout le monde. Nathalie. Oh, tout le monde. 2, 1, boum! Et là là, attention, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes forts! Vous êtes forts! Attends, mais c'est joli! Le voyage de l'espérance. Bien, les amis, pour vous remercier, nous allons encore faire un petit cadeau. Alors, je vais vous annoncer. Non, vous donnez ça là. On le met derrière. Non, on le laisse en fond. On va appeler Hélène, qui va venir nous rejoindre. Et on va appeler aussi Lucie. Hélène va se mettre à côté de François. Et voilà. Et puis Lucie va se mettre à côté de Nil, voire même la remplacer. Voilà. Et on va pousser ce truc-là. Voilà. Et je voulais vous annoncer la dernière surprise. La dernière surprise, c'est que je vais appeler Hélène et Lucie. Ah ben j'ai déjà fait. Excusez-moi, je suis fatigué. Je vais appeler Allô. Allô, qui Allô? Allô. Ben vous l'avez vu toute la soirée, Allô. C'est mon copain, Allô. Et Allô, Allô par le mystère de la magie. Il va venir avec un autre instrument, mais il va aussi se dédoubler. Il va se dédoubler pour nous présenter un grand illustre chef d'orchestre qui va nous aider à chanter notre refrain préféré. Alors, attention, on va appeler Allô d'abord. Allô. 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 Alors, on écoute d'abord pour reconnaître le refrain. Oui. Attention, 6, 4, 12.
Merci.